déjà. Tournez-vous déjà. Les bras. Bien joué, Charlie, là. Elle est partie. Magnifique. 2-0 en faveur de Violette. Pas mal. Le du terrain à la 7e affiche de cette. Le match met aux prises les Zoom Girls de coach Clémence Ngayomba et les Hoopers du coach Tyson Chandler. Et pour l'instant, c'est les Poupes qui font la course en tête avec une maigre avance de 2 points. Mais la rencontre a l'air engagée. Les deux équipes ont bien l'intention d'en finir, chacune avec son adversaire direct. On verra bien à l'issue de l'écoulement du temps réglementaire. Qui de Zoom Girls ou de Hoopers aura le dernier mot sur la rencontre? Voilà perdu par Zoom Girls. Voilà, là c'est bon déjà, voilà. On ne doit pas te traverser comme ça. On ne doit pas te traverser comme ça. Nous sommes donc rendus à la 7e borne du tournoi Basket Zoom édition 2020. Nous vivons la 7e rencontre de la journée. Plus que 3 rencontres encore et les rideaux tomberont définitivement sur l'édition 2020 de Basket Zoom. Piloté, conçu et en cours de réalisation par Monsieur Olivier Doumla avec toute son équipe. Je rappelle à tous ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps que Basket Zoom est à sa 4e édition. Les 3 premières éditions ayant été organisées dans la cité capitale à Yaoundé. Et l'édition de cette année a été déportée dans la région de l'Ouest. Alors, depuis les premiers rayons du soleil ce matin,
Les délégations venues des quatre coins du pays rivalisent d'adresse, de dextérité, d'athlétisme, de pugnacité, de combativité pour ravir la première marche du podium quand viendra le moment des décomptes. Et nous vivons donc en ce moment la septième rencontre de la journée qui met aux prises les Hoopers amenés par le coach Tyson Chandler, vêtu de vert et noir, que vous voyez de l'autre côté. Aux Zoom Girls amenés par la coach Clémence Ngayoba, encadreur principal de l'Académie Falcons Basketball de Yaoundé. Donc, elle a fait le déplacement de Yaoundé pour Bafan pour prendre part à ce tournoi. Nous revenons donc sur le terrain où Tchana a manqué de conclure un bon mouvement collectif et qui peut se réjouir de voir son équipe récupérer le rebond offensif et provoquer une faute qui aboutit à deux lancers. Manqué, rebond, Hoopers, Cecilia, manqué. Bien joué, voilà. Les bras, oui. Elle est partie. Bien joué. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, on va défendre maintenant. C'est là-bas que c'est intéressant. Voilà. Bien joué, là, tu pars.
9 pour les violets. Les enfants, dès que vous perdez le ballon en attaque, vous rentrez défendre. Tant que c'est encore le premier, deuxième et troisième quart-temps. Toujours cette nette domination des Hoopers sur les Zoom Girls. 11 points déjà contre 3 seulement. Le lancer provoqué par Fadima Galbo Sango Fadima. Jeune espoir du basketball du Honkam. Le lancer à suivre. Premier lancer manqué. Violation. Elle n'aura pas droit au deuxième. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le niveau monte. Les Zoom Girls essayent autant que faire se peut de sortir la tête de l'eau. Mais les Hoopers semblent tenir la corde par le bambou et n'hésitent pas à resserrer l'étau. Chaque fois qu'il y a une tentative de réveil du côté des Zoom Girls. Elle est blessée par toi. Hein. Deux points pour les Hoopers. Décidément,
résolu à damer le pion aux Zoom Girls. 15-3, la marque est désormais portée à 15-3. 13-3, autant pour moi. Mais je pense que les 14e et 15e points ne vont pas tarder au vu du déroulement de la rencontre. Crossover. Masse. Shoot. Banqué. Airball. Rebond autoritaire de Cecilia. Il lance tout de suite une passe en contre-attaque à sa coéquipière qui va aller en drive. Revient sur Cecilia. Nakano, c'est dedans. Je vous le disais tantôt, les 14e et 15e points n'allaient pas tarder. Et nous y voilà. Fais les jouer. 3-15 pour les Hoopers. Y aura-t-il une réaction d'orgueil? On vient de là. Deux points marqués par les Zoom Girls. La marque est portée désormais à 15-5. Remise en jeu. Hoopers avec Chana. Chana qui va aller seul et manque son layup. Contre-attaque Zoom Girl, coast to coast, 2 points basket. 2 more points pour the Zoom Girls. The Hoopers are now leading the encounter by 15 points against 7 points for Zoom Girls. Zoom Girls on ball. Zoom Girls. Still. Zoom Girl again. No good. One more time. One more chance. One more chance for Zoom Girls. Shot. No good. Offensive rebound. Foul. Foul. It will be a throw-in. Throwing for Zoom Girl. Throwing. Zoom Girl on ball. Pass. Shot. Air ball. Out. Ball after. Out of. Throwing for Hoopers. Chana on ball. Chana dribbling and placing his class, his teammate. As again, towards Cecilia. Try to shoot but block. Makondi. From the first to the third quarter, when you lose your ball, go back on D. Florida, no good. Chana on ball for Hoopers. Long pass. No good. Throwing for Zoom Girl. Throwing for Hoopers. Cecilia driving to the basket. Pass for Chana. 2 points with the 2 points with the bench. 2 more points for Hoopers. The girls are now leading Zoom Girls with 17 points against 7. 7 points for Zoom Girls, 17 for Hoopers. For another chance, no good. Rebound for Hoopers, throwing for Hoopers. Turn out ball. Dribbling. Temporizing. Organizing the game. The playmaker of this team of Hooper. Chana from Bangate Basketball Academy.
directed by coach Emil Yombi. Driving to the basket, pass to Cecilia, 2 points. 9-7. Connection between Chana and Cecilia is very, very good. And we hope Zunga will try to defend their honor. Throwing for Zunger. Zunger. Jump shot. No good. Cecilia on ball. Cecilia. Two more points for Hoopers. 21 for Hoopers, 7 for Zoom Girls. Thank you.
À jouer. 55 secondes. Encore 50 secondes à jouer dans cette septième affiche qui oppose les Hoopers de coach Chandler aux Zoom Girls de coach Clémence Gayomba, à qui apparemment il ne reste que ses yeux pour pleurer vu la correction que lui inflige le coach Chandler. Chana à la baguette. Chute à 3 points. Rebond offensif. Hoopers. Chana à nouveau. Cross. Passe à l'extérieur pour un 3 points. Manqué. Ah voilà. Campouris. Point.